Salut tout le monde, c'est Alex. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Et là, je suis à l'extérieur. Je suis en route pour aller chercher mon colis que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est un t-shirt franchement beau en plus. Et là, j'ai l'air de parler à la caméra tout seul à l'extérieur. Mais j'espère que vous m'entendez bien aussi. Et mais c'est cool aujourd'hui en me levant, j'ai appris. Il y a un de mes amis qui m'a appris une nouvelle vraiment cool sur un truc en particulier. J'étais vraiment content pour le projet et pour eux. C'était vraiment super cool. Je ne peux pas trop vous en dire, mais voilà. Vous comprenez. En plus, ça commence à faire froid un peu, hein. Mais après tout, j'ai changé. Mais non, mais ça va. Alors oui, ici au Canada, ici au Canada, ben, il faut aller chercher notre colis directement au bureau de poste où la poste arrive. Et genre on n'a pas de. En tout cas ici non, dans mon petit village, on n'a pas de. Alors là je suis content, on fera au moins. Ici dans mon petit village, on n'a pas de. Comment dire de. De boîte aux lettres, voilà, ça a putain de mots que j'ai fait. Ici, autrement dit, on n'a pas de boîte aux lettres. Et là, voilà, je vais au bureau de poste pour voir si mon colis est arrivé. Mon putain de colis. Changer de main. Oh putain, que j'aime ça l'automne, c'est super beau dehors. Certes, il fait un peu plus froid, mais c'est super beau l'automne. Là, il y a des gens qui passent, s'il vous plaît. Voilà, les gens sont passés. Alors, je crois que je vais arrêter la caméra le temps que je suis à l'extérieur. Est-ce que je laisse tourner? Ah, je sais pas. Tu cherches des clés? Non! J'ai des clés. Est-ce que j'ai la bonne? Oui, j'ai la bonne. Allez, le numéro qu'on a. Vous êtes là les gens? Désolé si je parlais pas, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui était arrivé chercher sa poste aussi, alors je voulais pas parler comme un con tout à la caméra. Mais by the way, j'ai trouvé des. Attendez, je vais regarder ce que j'ai. C'est déjà des trucs. Je sais pas s'il y a un truc. Je sais pas s'il y a un manque de colis. Non, mais il y a des trucs. Alors attendez un peu. Ah ouais, je crois que c'est mon t-shirt. Alors en plus, est-ce. Ah ouais, c'est mon t-shirt. Mais voilà, je peux parler. Les gens sont passés et oui en fait genre mon coup était ultra pas planifié, genre j'ai été ça fait une semaine, deux semaines que j'attends mon t-shirt et là j'ai été au bureau de poste genre comme ça et si je vous jure, si j'ai reçu mon t-shirt, je suis hyper excité. Alors moi je suis pas. Je suis peut-être un peu trop confiant, mais vraiment c'est le hasard. J'ai pas choisi genre de
Genre, c'est pas genre que je savais que mon t-shirt était là-bas, que j'allais chercher. Non, non, c'est pas ça, c'est. J'étais pas aussi planifié. Mais enfin, bon. C'est hors du qu'il y a des gens qui m'évitent dans la rue pour. Pour se faire filmer à côté de moi. C'est épique les amis. Alors moi je rentre chez moi et je vous dis c'est mon t-shirt qui est arrivé. Salut les gens, c'est Alex. On se retrouve dans ma chambre, chez moi, dans ma maison, où on peut danser. Et non, je blague. Et là on va j'ai mon colis. Attendez, je vais le faire voir. J'ai mon colis. Et oh salut. Oh ça c'est mon boutoir, c'est mon bouchon d'ail blanc. Oh, à qui ça appartient? Non, je blague. Voilà, ça c'est le colis. Et j'ai aucune idée de si ça s'agit, d'un t-shirt, le t-shirt que j'ai acheté, ou que c'est une partie d'un être humain. Alors, je sais pas si c'est une main, ou toucher sûrement, ou un t-shirt. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Je vais même, je crois que je vais débousser les caméras. Attendez, est-ce que vous me voyez bien? Je ne crois pas. On va essayer de savoir. Est-ce que vous me voyez? Alors, je crois que ça va aller. Alors, je crois que ça va être correct. Ça. Vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Je sais pas. Alors, moi, je vais essayer d'ouvrir ça comme ça. Parce que j'ai pas envie d'ouvrir le collier avec une main. Ça me fait chier. Et je vais. Oh putain. Et... alors je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est ici. Ça se décolle. Ça se décolle. Oh, ça se décolle. Oh non, ça se décolle pas comme ça. Est-ce que ça se décolle? Oh fuck. Oh fuck, on détruit tout. On détruit. Ah, on a réussi. Je vous reprends parce que ça doit être un peu nul de se faire trimballer tout seul comme ça. Je veux dire de pas se faire trimballer. Je crois que je sais même plus ce que je dis. Allez, regardez. Il fait noir. Est-ce qu'il y a une partie d'humain? Non. Oh fuck, non. On va checker ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, je crois que c'est une boue. Enfin, non, là, les gens, je crois que c'est un vêtement. Oh non, non, c'est pas un vêtement, c'est bien une jambe. Non, c'est un t-shirt. T-shirt. Je sais c'est quoi. Et pam 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 pam. Ouais, ça c'est mon t-shirt de Jack Skellington / Freddy Krueger. Nice. Vraiment nice, c'est un putain de t-shirt. Il va se déplier comme ça, on va mieux le voir. Ah, oh, nice t-shirt. Vraiment, il est fou ce t-shirt. Je ferai une vidéo que je la porte un jour. Mais pour l'instant, écoutez, moi j'espère que vous avez aimé ça, pour faire voir une petite vidéo à l'extérieur. Et on va chercher mon t-shirt. C'était pas du tout prévu, vraiment, c'était pas du tout prévu. Vraiment pas du tout prévu, c'est juste la chance. Faut croire que le karma est de mon côté. Yeah! Papa! Alors, bref de plaisanterie. Bref de plaisanterie, you know. Et moi je vous dis que je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je le pense, moi je suis pas de mentir. C'est comme si je dis oui, je fais de mensonge. Et moi je vous dis que je vous aime beaucoup. Et on se voit pour la prochaine vidéo.